Merci beaucoup. Merci. Il va l'œuvre de Daniel Jacob. Il est bloqué là. Ouais, pas bien. Non, pas absolument. Étienne, Je sais pas. Tu vas oublier. Question par rapport à l'ouvrage. Je sais pas si ça fait l'objet d'une étude, pas du tout. C'est que moi, en fait, il m'a appelé vendredi et que moi, je partais dans la nuit, j'ai même pas mis. D'accord. Ça fait tellement la rage que. Ok, mais bon, mais je vois qu'on a eu l'information. Ah bah, super tard. C'est vrai que moi, je suis jamais ça, c'est normal, je le vois. Oui, on m'a dit que c'est sur le boutique. Ah bah, non, c'est on fait ici, mais moi, quand on gère, je fais bien mon pays. C'est 3 semaines avant, on envoie les emails, on fait des choses, et puis je vois ce truc, quoi. C'est la con, mais. Il a fallu manger une bonne nouvelle semaine. Par contre, Vous voulez venir à moi? Ah non, il y a quelques. Lorsque Daniel a pris contact avec vous. Voilà. Ah, donc, Jacob. Daniel Jacob, c'est bon. Je prends. Ça, c'est bon. Moi, j'en veux également. Je vais pas louper, hein, l'occasion. Oui, salut Amélie. Oui, oui. Ça va bien et toi? Ah ben moi, il y a deux L. Deux L, EL. Vous pouvez parler, hein? Oui, bien sûr, c'est religieux. Et la presse, après, vous allez dans la presse, c'est ça? Le 29 mai. Ah, voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, Reda. Voilà, vas-y, tu peux te présenter, j'ai pas de soucis. Je suis Benoît, tu veux un master d'économie? Un master d'économie? Oui, je suis bon pour ce que vous croyez en termes de finances. Quel est ton choix de carrière professionnelle? Putain, je viens de faire du compte en gestion pour partout. Ouais. C'est quand j'étudie un peu plus la finance, l'audit. L'audit aussi? Expertise comptable, non? Je suis plus sur l'expertise comptable. En fait, si vous voulez, vous avez un partenariat avec l'INTEC. Ouais. Vous connaissez ? C'est très formateur comme, effectivement. Comme démarche. C'est difficile, mais. Il y a quelques années qui sont un peu dures et. Il faut se donner les tâches quelquefois un peu ingrates, mais c'est une façon d'entrer dans l'entreprise et de mesurer à quel point la comptabilité peut être un bon instrument de lucidité et donc de prise de décision. Les comptables ont un rôle très important, tu sais. Effectivement. Pour donner une image fidèle. Et alors, dans la gestion publique, malheureusement, il y a trop d'approximations. Quel est ton prénom? C'est Reda, R-E-D. R-E-Z. R-E-D. R-E-D. Reda. Allez, je vais chercher.
Oui, absolument. C'est Bilal qui me dit de l'appeler solidaire parce que tu es associé, ça tu vas la passer. Oui, parce que si on fait porter sur la production le coût du financement de la. Si on fait porter ça sur la production du financement de la politique familiale ou de la politique de santé, ça accroît le coût de production. Et à l'heure de la mondialisation, qu'est-ce qu'on fait? On va produire ailleurs. Pour délocaliser. Non, je suis pas Salut, tu vas bien, ça va? L'expertise comptable, ça se prépare en alternance, hein? Personne suivante. Alors, Mohamed. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Mohamed? Quel service? Alors, votre nom? Il n'y a pas de souci. C'est pas bon. Pardon? Tu as l'accès à la propriété, c'est-à-dire dans les modes de financement? Ouais. Bah, je pense que. Oui, ça va, ça va. La difficulté, c'est d'avoir. D'avoir accès à des financements, tout est conditionné par le revenu qu'on peut avoir. C'est ça, là. Alors, tant qu'on n'a pas trouvé un job un peu stable, on a du mal à trouver des banquiers. Alors, il y a des formules de prêt à taux zéro, des formules comme ça. Il y a la PA également qui peut aider à boucler le budget, mais ce n'est pas évident. Il faut faire attention de ne pas partir trop vite sur un plan d'accession à la propriété, parce qu'on risque d'avoir vraiment des moments difficiles. C'est ce qu'ont connu les Américains qui étaient dans le subprime. Donc, quelquefois, il vaut mieux attendre un peu plus. Est-ce que dans les logements sociaux, on fait de l'accession à la propriété ici? Au bout d'un certain nombre d'années, on fait de la propriété. Deuxième, à Mohamed. Sur le site. Je fais la recherche.
J'espère qu'on va arriver à sauver tout le monde. Non, Fabrice, je veux pas parce qu'il est assez compromettant. Je veux pas me compromettre avec ce que les femmes. Exactement. Voilà, donc on en est heureux et flatté. Voilà, personne suivant ? J'ai pas posé ma question. De quoi donc ? Je pense qu'il faut que les médecins s'impliquent dans le pilotage de la médecine. Je suis persuadé que si nous trouvons des instances de concertation, pouvoir aider à une meilleure régulation. D'abord, il y a des instruments de pilotage qui ne sont pas formidables. Moi, je préside un hôpital, on a des comptabilités archaïques, qui sont pas deux instruments de gestion. Il y a des relations très difficiles, je ne sais pas comment ça se passe au Saint-Denis, mais moi, dans mon département, des relations difficiles entre les médecins libéraux et les médecins. Moi, j'ai le chemin de la médecine.